Oui, Jean. Donc c'est parti pour faire la galette des rois. Je vais commencer par la frangipane. Donc je suis la recette que j'ai sur ma tablette. Donc un peu de farine, de la maïzena. Ensuite, on va mettre un jaune d'œuf. Attendez, j'essaie de récupérer. On va mélanger. Chauffer le lait et le sucre. Voilà, la crème pâtissière est prête. Il faut la laisser refroidir. Je mettrai un peu de beurre dedans, il faudra remélanger. Et la mettre au frigo. Donc pour l'instant, je vais préparer la frangipane. Donc, vous mettez du beurre fondu, et 90 g de sucre glace. Alors, le sucre glace et le beurre fondu. Les noix à écraser. Ça se voit un peu. Alors, pas pomme. On va couper en morceaux. Tu vois.
Donc, je fais ça dans les casseroles, hein, ça revient pareil. Alors, pendant que la pomme cuit, je vais préparer la pâte, c'est pas très petit. Donc j'ai une plaque de four pour mes frites, j'ai mis du papier sécurisé dessus et je vais donc étaler la pâte dessus. Couper le surplus de pâte. Je nettoie sa fourchette. Ça
parce qu'il ne fait pas trop. Quand la pâte est assez fine, je n'ai pas envie de la déchirer. Et donc, on met un jaune d'œuf sur le dessus pour que ça dore. Ça passe un effet doré. Je vais rester mort, j'ai pas de pinceau. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Ça devrait être bon. Donc voilà le résultat sorti du four. Et il est assez joli, je trouve. Hein. Bien brillante, bien dorée. Et donc, je vais l'enlever sur le papier sécurisé. Je vais essayer de la démouler. Ça va être facile. Check. Voilà. Dans son plat. Allez, il ne reste plus qu'à la manger. Ici, on va passer à la découpe. Ça. Et le feuilleté est excellent. La fruge est pas un peu légère. Elle n'est pas si consistante là. La frangipane, elle a du goût. On sent bien les noix, on sent bien la pomme. Donc au niveau sucre, j'ai bien dosé. Ça passe bien. Bien content, ça passe bien. Donc sur ce, je bois le cidre. Je vous souhaite une bonne épiphanie aujourd'hui, et donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci à vous, à votre santé.